Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch sur Call of Duty Cold War sur la map Firebase Z. Alors je vous ai déjà présenté un glitch out of map plus tôt dans cette journée. Et là bah en fait je vais vous présenter une variante de ce glitch aussi, donc une autre façon de sortir de la map. Et demain logiquement je vous présenterai une vidéo glitch after patch de tous les glitchs qui sont fonctionnels pour le moment. Alors pour réaliser ce glitch il vous faudra être deux joueurs et il faudra absolument acheter l'atout pierre tombale. Donc quand vous avez cet atout vous allez devoir vous rendre à l'entrepôt d'équipement et vous placer en dessous de cette fenêtre. Ensuite vous vous laissez mourir et là votre coéquipier va vous réanimer. Et là ce que vous allez devoir faire c'est monter sur la caisse de munitions au spawn. Ensuite vous allez devoir attendre le dernier moment de votre réanimation pour passer au-dessus de la barrière. Mais il faudra bien mettre le joystick en avant et faire l'animation du personnage qui passe au-dessus de la barrière. Donc faites-le bien au dernier moment et logiquement vous passerez à travers le mur quand vous serez réanimé. Donc de là, faites attention où vous marchez parce qu'en fait, il y a des murs invisibles qui vont vous faire retéper dans la map. Donc j'ai trouvé un petit chemin pour se rendre au même glitch que je vous ai montré plus tôt dans la journée pour pouvoir faire pile-up les zombies. Donc suivez exactement le même chemin que moi et faites attention de ne pas tomber dans un trou ou quoi. Donc quand vous avez rejoint le même endroit que moi, là vous avez juste à vous coucher et ensuite vous vous décalez de gauche à droite pour faire en sorte que le bloc soit invisible et que vous puissiez tirer à travers le bloc. Donc de là, ben, vous pourrez récupérer des munitions, des équipements, des accessoires, des matériaux et même les bonus qui spawnent tout près de vous. Et bien entendu, vous êtes invincible contre tous les zombies. Le seul problème de ce glitch, c'est que si vous tombez à court de munitions, il faudra re-rentrer dans la map. Alors pour re-rentrer dans la map, il y a plusieurs solutions. Donc là, je vais vous montrer la plus simple. C'est tout simplement d'aller à droite, donc de suivre le même chemin que moi que je montre dans le gameplay. Donc vous longez les murs et ensuite vous allez arriver vers un mur invisible. Là, il faudra juste escalader ce mur et vous serez téléporté dans la map. Alors il y a une autre façon pour re-rentrer dans la map avec le camouflage des terres en spécialiste. Mais bon, je vais pas vous le montrer, je vous l'ai déjà montré plus tôt dans la journée dans l'autre vidéo. Et de toute façon, bah, vous pouvez déjà rentrer dans la map avec la solution que je viens de vous montrer. Donc c'est largement suffisant. Enfin bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de ce glitch. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulo Mike et ciao. Peace. Yummy, bruh.